Salut, c'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo centrée sur le FPV. Aujourd'hui, nous allons tester ce petit quad, le Larva X de Happy Model. Et sans plus tarder, passons à son déballage. Bon, j'ai plein de trucs sur le feu, donc c'est un peu le bordel là sur ma table atelier. Déballons ce nouvel arrivé dans la flottille des X. Et voici le Larva X. Larva X pour X. Coïncidence? Je ne pense pas. Alors, on va ouvrir ceci. Cette petite boîtasse. Ouh, mais ça m'a l'air mignon. Alors, donc, nous avons une notice. Une notice. Ça, c'est vraiment le truc qui est cool dans les quads Happy Model et eShine, c'est qu'on a vraiment tout qui est expliqué. Enfin, je dis ça, non, c'est pas vrai, parce que sur la série des Tyro, il n'y a rien, c'est un peu le néant. Par contre, pour les BNF, PNP, RTF, en tout cas que j'ai eu, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une notice bien détaillée. Et ça, c'est vraiment, vraiment... cool. Ah, attendez, excusez-moi, je vais bouger un petit peu. Voilà. On a ensuite, alors oui, apparemment, ils avaient une pénurie d'hélices IMAX avant, je sais plus quel est le modèle. Donc, c'est livré avec des HQ. Voilà. Donc, on a 4 hélices de rechange. Donc, un set complet. On a des vis, on a des outils et une canopie moulée de rechange. Et enfin, on a le quad en lui-même dans son écrin de papier bulle qui fait son apparition sous vos yeux ébahis. Ah ouais, donc j'ai pris la version Crossfire. Elle s'est montée à l'arrache totale. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, parce que là, s'il y a une hélice qui plie, là le récepteur Crossfire, il est mort, là. Il est en PLS, littéralement. Littéralement. On a une Runcam Nano 2 comme caméra. C'est une caméra que j'aime beaucoup. C'est une bonne surprise. Alors, leur espèce de pad, là, qui antidérape que dalle, j'ai jamais compris, ça. Pourquoi ils mettent pas un truc en silicone? Ah, c'est rigide, hein? C'est rigide. On est pas mal là. On est pas mal. Ce qui me fait peur un peu, c'est tous ces bras là, tout ce carbone sous les hélices. J'ai peur que ça perturbe le flux d'air. Puis surtout que ce soit très très chiant si jamais on touche un arbre, que les branches viennent se caler dedans et que ce soit impossible de décrocher le quad sans monter dans l'arbre. Et ça, ce serait vraiment chiant. Mais mis à part ça, c'est pas mal du tout. Alors je comprends pas vraiment le choix du placement du récepteur là. J'avoue que ça me laisse perplexe. Il est vraiment beaucoup trop exposé. Au pire, je l'aurais mis à la limite au même endroit, mais en dessous, sous le carbone, pour qu'il soit un peu protégé, mais pas sous les hélices. Là je tords les hélices, ça me fait du hachis de récepteur. Pareil pour l'antenne, ils ont mis ça un petit peu à l'arrache. C'est calé sous le... Non, ça passe sous le moteur, en fait, sous la cloche du moteur. Ouais, non. On va changer ça. De toute façon, vu que le quad, je vais l'offrir à Zorik, qui est le traducteur de la chaîne, qu'il n'a pas de Crossfire, je vais le changer par un XM+, déjà, premièrement. Donc voilà, et puis c'est tout. Mais en tout cas, non, c'est joli, c'est très très joli.
quelles sont les caractéristiques de ce quad? Donc, on a des 1103, 7000, combien de KV d'ailleurs? 7000 KV tout rond, comme le Red Devil, comme le Cinécan. Ce sont les mêmes. Sa particularité à ce quad, c'est que sur le VTX, il y a un petit emplacement pour mettre une carte SD qui enregistre un DVR interne, c'est-à-dire qu'on n'a pas les glitches qui peuvent provenir des lunettes, etc. On a une image qui est clean, quoi qu'il arrive. Donc voilà, apparemment, il y en a dans le Falzar, puisque j'ai vu une vidéo sur le net. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description, si je le retrouve, où un mec met sa GoPro Session 5 dessus, et ça vole. Ah oui, alors ça, c'est un truc que j'aime pas. C'est, encore une fois, je sais pas pourquoi il s'acharne à nous mettre ça, là. Des vieux trucs tout pourris. Mettez des vrais straps avec des boucles. Merde, c'est pas compliqué. Comme là, sur le HX100 que je suis en train de pimper. Voilà, là, on a un vrai strap. Ça, c'est bien, ça. Ça tient. Pas vos trucs tout pourris. Bon. Bah écoutez, je vais changer le Crossfire par XM+, je vais faire le paramétrage, et puis on se retrouve sur le terrain pour tester ça. Je vais mettre une carte SD dans le VTX. Et on est parti, on va tester ce petit Larva X. Let's go. Mais j'ai oublié quelque chose, la pesée. On est à 51,8 g, 7 g, ça s'est stabilisé à 7. On est à 51,7 g. Ben c'est bien, franchement, avec un DVR intégré, on est bien. Pas mal du tout. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne, on va tester ça. Ah, du tout, au contraire. Okay. Bon, par contre, je fais une review, donc je risque de parler un peu tout seul, faut pas s'inquiéter. Ok, c'est parti. Oula, ça tremble. Bon, j'ai clairement moins de puissance que le Tyro 69. Mais c'est bien plus silencieux. Voilà. Non, ça repart pas. Ok, on va vider la lipo. Bah, ça vole bien. Ça vole pas mal du tout, mais c'est mou par rapport. C'est vrai que là, après les tests du Tyro, ça paraît vraiment super mou. Mais bon, il y a des vibrations, donc il va falloir faire du tuning. Oula, ouais, il y a beaucoup de vibrations même. Ouais, malgré les hélices 2,5 pouces, je trouve ça mou en fait. Je trouve ça vraiment mou. C'est curieux. Je pensais que ce serait plus énervé que ça. Ça mou. Après ça va, non, mais pour
de la balade. Ouh. Avant, il y avait un passage un peu plus ouvert. Là, c'est vrai que c'était un peu galère. C'est le festival du crash. Festival du crash. Bon, ça vole bien, mais c'est pas. Je suis pas impressionné. Franchement, je m'attendais à un truc beaucoup plus énervé que ça, quoi. C'est. Ouais. Alors, c'est cool parce qu'il y a un DVR embarqué, donc on aura une image propre et tout. Ça, c'est cool. Mais en soi. Bon, mis à part les PID qu'il faut que je fasse, c'est pas ouf quoi. Putain, je suis dans les ronces en plus. C'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. Bon, je vais récupérer. Ouais, c'est pas ouf, je suis un peu déçu. Je crois que de tous les Toothpicks qu'on a testé, enfin que j'ai testé, c'est celui que j'aime le moins, dis donc. Même le Red Devil, je sais pas, je le trouvais. Il était véloce déjà. Bah après, c'est peut-être une question d'hélice, hein, Justin. C'est peut-être juste une question d'hélice. Mais. Ouais. Il est là. Il est là. Mais ouais, je suis pas. Je le trouve vraiment pas exceptionnel. En fait, après la violence du Taero 69, qui coûte deux fois moins cher, ça, c'est un peu bizarre, quoi. Il y en a beaucoup qui disent que c'est le Toothpick par excellence, mais je le trouve un peu mou. Donc, bon, on va réessayer, hein, on va voir si ma première impression n'est pas erronée. On va tester de nouveau. Allez. Ça vole bien, hein, mais je le trouve vraiment mou par rapport aux autres. Bon, j'ai des tremblements, faut peut-être que je change les PID, mais... Mais ouais, je trouve que le top... Le top end, quand je mets un full, c'est lent, quoi. Par rapport au... Ouh, c'était chaud. Merde. Ouais. Je trouve que le full, par rapport au Taero 69, par exemple, ou au HX100... Ah, il y a moins de puissance, quoi. Il y a moins de puissance. Bon, ça en fait pas pour autant un mauvais quad, mais un quad que les gens, comment dire, décrivent comme des Toothpicks par excellence, ouais, je suis un peu déçu. Bon, alors vous avez pu voir que j'ai été un peu déçu parce que j'avais lu ça et là que c'était le Toothpick par excellence, qu'il était mortel, etc. Mais en fait, je le trouve assez lent et pas très puissant. Je pense clairement que c'est une question d'hélice, hein, puisque c'est la même config que le Red Devil qui bombardait. Donc à mon avis, avec des 65 mm bipal, ça doit être beaucoup plus véloce. C'est vrai que j'aurais dû tester. Là pour le coup c'est de ma faute, mais ce qui est pas mal avec ces 2,5 pouces en tripale comme ça de chez HQ, c'est que pour le faire voler en intérieur, dans un intérieur assez spacieux, hein, genre un gymnase en indoor, ça peut être vraiment sympathique. Donc c'est un modèle qui peut être sympa pour faire du cruising ou du freestyle pas trop énervé. Pour faire de la race, je pense pas du tout qu'il soit adapté. Mais pour faire du free cool, du cruising, voler en indoor spacieux, il est vraiment sympa. Et c'est vrai que le fait d'avoir un DVR intégré, c'est quand même un plus. On a quand même, on sort une image qui est beaucoup plus propre que le DVR habituel qui sort des lunettes. Donc c'est très intéressant.
C'est très intéressant. Et puis, non, il est bien construit, la frame est rigide. Voilà, moi j'avoue que le Toothpick perso, je l'ai fait voler en extérieur et le but c'est de pouvoir retrouver les sensations du 5 pouces, mais avec un truc un peu plus petit qui fait un peu moins de bruit. C'est vrai que moi c'est pas adapté à mon utilisation du Toothpick. Après, si vous cherchez quelque chose qui est sympa à faire voler et polyvalent dans le sens où on peut le faire voler à l'intérieur, en extérieur, pour le coup, il vaut vraiment le coup. Après voilà, il n'est juste pas adapté à ma manière de voler, quoi. C'est tout. Mais c'est une bonne machine. Et la canopée est solide. Ça m'a plutôt étonné. Non, non, c'est bien construit. C'est solide. Voilà. C'est un bon Toothpick. Voilà. Voilà ce que je peux en dire. Écoutez, j'espère que ce test vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Grosse erreur, je le dis pas assez souvent. C'est une grosse erreur de ne pas être abonné à ma chaîne. Et puis, laissez un petit commentaire histoire que l'on puisse interagir et échanger tous ensemble comme d'habitude. Hein. Écoutez, on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau test. Et puis voilà. Bon vol. Salut.